Le 27 mai dernier, Fort FM s'est rendu sur la place du château de Rémelfin. C'est dans ce magnifique cadre que s'est tenu le festival REM, organisé par l'interassociation de Rémelfin. Nous avons rencontré Hubert Bouring, maire de la commune. Bonjour à tous, je me présente, Hubert Bouring, je suis le maire de Rémelfin, un très beau petit village à côté de Sarreguemines, où nous allons faire la fête tout ce week-end. Alors nous commençons ce soir par le festival transfrontalier de musique, avec des groupes français et allemands. Demain, nous continuerons avec une super soirée catch. Le soleil est au rendez-vous, les pompes à bière sont prêtes, les casse-croûtes également. Ce festival de musique, c'est donc la 12e édition, elle est organisée par l'Interassociation culturelle de Rémelfin. Son président, c'est mon adjoint à la culture. Alors aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir également Madame la sénatrice Catherine Belletti, le député Vincent Zettlinger, le maire de Sarreguemines qui est premier vice-président à l'Eurodistrict, Monsieur Marc Zingraff, bien sûr le maire de Soulspar, Monsieur Michael Adam, qui ville avec laquelle nous sommes jumelés. Et d'ailleurs, cette année, nous sommes dans l'année franco-allemande. Donc, nous avons énormément d'événements de part et d'autre de la frontière. Nous avons lancé cette année franco-allemande début janvier ici même à Rémelfin lors d'une soirée où nous avons présenté nos deux villages. Nous avons continué avec des soirées Mundart Abend, alors je prononce peut-être pas trop mal, où nous avons parlé en patois toute la soirée avec un orchestre qui a chanté en patois. Nous avons fait des expositions de peinture, encore le week-end dernier, il y avait deux clubs de peinture, un de Rémelfin et un de Soulspar qui ont exposé ici dans notre magnifique château. Ce soir, le festival de musique. Courant juin, nous avons des rendez-vous à Soulspar avec nos clubs de danse. Nous avons une activité également pour le football début juillet, la pétanque au mois d'août, le chant choral également. Donc vous voyez, il y a pléthore d'animations et essentiellement dans des animations artistiques et culturelles. Sous le chapiteau se tenaient les expositions. Aires de jeu, restauration et boissons. Le public est venu nombreux profiter des festivités qui s'ouvrent sur la fanfare Saint-Pierre de Rémelfin. Le groupe Pins and Love avec leur reprise punk. At Sunset, groupe électro-rock avec leur composition originale. Oh,
The New Screamer featuring Thomas Blug, sacré meilleur guitariste d'Europe par Fender Stratocaster. Et voilà, on a organisé la 12e édition du festival REM à Rémolfin, à côté Sarreguemines. Et on est très contents, là, on a le troisième groupe qui est passé, il y a le dernier groupe qui va faire le show maintenant en disco. Et on est très satisfaits de l'organisation, il y a beaucoup de monde et voilà, c'est des plusieurs semaines et mois de travail qui s'accomplissent. Disco Inferno ont fait danser le public jusqu'au bout de la nuit. Et c'est ainsi que se clôture cette superbe soirée du festival. Rendez-vous l'année prochaine. Yeah.